Salut, salut les petits lapinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream où on va continuer l'immeuble de Capenz. Mais avant, je veux vous montrer un truc parce que vous savez que je change mes maps sur le jeu. Et il y a la nouvelle map qui est dispo et je voulais forcément vous la montrer. Du coup, je vais aller dans ma partie du let's play puisque tant qu'à faire, c'est... Exactement plus sur cette map que je joue. Je suis trop contente. Vous allez voir, elle est trop belle. Bon, je suis un peu déçue par rapport aux autres, mais elle est quand même trop belle. Regardez, c'est Del Sol Valley. Elle est pas trop canon. Je kiffe trop. Il y a que là en fait que ça me dérange que ce soit flou, mais sinon je la trouve trop belle cette map. Elle est trop canon. Enfin bref. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. On va continuer notre petit immeuble. En revanche, ça va être un stream plus court que d'habitude parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire. C'est déjà 4 heures et j'aimerais bien aller au Pilates ce soir. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Je pense que ça pourrait me faire du bien. Donc, c'est dans celle-là de partie. On va s'occuper des intérieurs. On va commencer à faire... je sais pas si je fais les parties communes ou si je fais tous les sols et après je meuble. Ou si je fais appartement par appartement. Je sais pas encore trop comment je vais goupiller ça. On va voir. Après, j'aimerais bien rajouter d'autres trucs sur les façades, mais j'ai pas encore trouvé l'objet qui serait vraiment pertinent. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, en fait, ma constru. Donc, soit je commence à meubler les studios, soit je fais les parties intérieures. Ah, aussi, et j'ai regardé un peu comment sont foutus les sols dans les immeubles haussmanniens. Et le souci, c'est que lui, il pourrait correspondre, mais j'ai vu quelqu'un le mettre, donc je me dis que ça serait un petit peu pompé dessus. Ou sinon, il faut que je fasse des dalles, mais ça ferait des grosses dalles, parce que ça ferait des dalles grandes comme ça. Mais il faudrait du carrelage à damier. Mais ouais, comme je dis, ça fait gros quand même. Donc je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Est-ce que là, si je le mets en... Non, c'est CTRL F. Je vous dis, je suis fatiguée. Oh mais... Je fais n'importe quoi. J'appuie sur F au lieu d'appuyer sur sur le point d'interrogation. Non, là, ça va faire vraiment trop grand. Je me suis dit, peut-être en diagonale, ça pourrait être sympa. Mais du coup, je sais pas. Soit je fais comme ça. Ah, zut, je l'ai raté. Hop. Et là, je prends, mais il me faudrait un où il y a du blanc sur celui-là. Voilà, soit je fais des damiers comme ça, mais ça correspond, ça ferait des grosses dalles. Et le souci, c'est que ça fait pas des grosses dalles sur les photos que j'ai regardées. Là, c'est frais. Celui-là, ça serait top. Mais pas en bleu. Il faudrait qu'il soit en noir. Et en noir, il n'y est pas. Donc ça m'embête. Alors, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller avec ça. Parce que vraiment, l'idéal, ça serait celui-là, sur les parties communes. Et après, de mettre du parquet chevron, ben, comme j'ai fait dans le bar là, pour les parties, les logements. Donc, je suis en grande hésitation. Mais, je sais pas. Sur, parce qu'il y a des parties communes, ou sinon, carrelage tout blanc. J'en ai vu aussi, mais ça fait quand même vachement aseptisé, quoi. Après, non, mais là, il faudrait que ce soit le petit point qui soit en noir. Et là, non. Il n'est pas de la bonne couleur, le petit point. Il y en a des comme ça aussi. Mais ça, ça ferait mieux dans une salle de bain. À la limite. Il va m'embêter, le sol. Hein. Ou comme ça.
Mais ça revient au même que ce que j'ai fait avant, je suis bête moi. En fait, je me suis endormie à 5h30 passées et je me suis réveillée à 7h. Donc, vous comprenez l'état dans lequel je me trouve. Non, ça c'est l'idéal pas belle. Bon, ça m'embête beaucoup. Après. Non, là j'avais résolu le problème. J'avais dit que. Non, j'avais pas résolu le problème. J'avais dit qu'il fallait falloir que j'inverse l'escalier. Et après l'escalier, je pourrais carrément le mettre ailleurs. Je pourrais carrément le mettre là. Hein. Pourquoi il veut pas s'y mettre? Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Oh, il y a un mur. Fou. Là, je suis pas sur le terrain. Bon, il n'y a pas un endroit où tu veux te poser, là, s'il te plaît. En plus, il m'a embarqué le mur là. Oh, t'es pas gentil, l'escalier. Tac. Non. Non. Oh, zut. Je veux sélectionner cette petite pièce. Mais je. Ça commence bien, hein. Pourquoi j'ai voulu construire, moi, aujourd'hui? Voilà. Comme ça. Du coup. Comme ça. La fenêtre, je la décale là. Et non, je peux pas. Puisque l'escalier, je peux le mettre que là. Parce que l'escalier, je peux le mettre que là. Ou sinon, il faut que je le mette en plein milieu là. Mais ça ferait moche. J'ai le OneDrive de mon ordinateur qui est plein. Il fait que de s'allumer, ça me gonfle. Oh, punaise. Tant pis, hein. Retourne à ta place, l'escalier. Voilà. Ouais, c'est bon, mon mur, il est revenu. Ou sinon, il faudrait que je change carrément tout au niveau des murs. Mais après, ça m'arrangeait, moi, les trucs comme ça. Je sais pas. Cela, c'est vrai que ça fait con, hein. Et l'ascenseur, si je le mets au milieu, et dans les règles, on est obligé d'avoir un ascenseur. Si je me rappelle bien. On peut le déplacer, mais on peut pas supprimer l'ascenseur, ouais. C'est bête parce qu'en plus, dans les immeubles haussmanniens. J'ai pas. Dans ma tête, y a pas d'ascenseur dans ce type d'immeuble. Ou sinon, je le tourne. Tout simplement. Retourne à ta place initiale. Hop. Quoi que tu me diras, non, en fait. Trop de fatigue dans mon corps aujourd'hui. Tant pis. Ça se voit pas qu'il dépasse de toute manière, il y a l'autre au-dessus. Mais là, j'ai un souci. Elle s'était redescendue, la plateforme? Fais voir. Ou ben ouais. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui attend l'ascenseur devant la porte des gens. Quoi, des gens, du patron du bar. Et ouais, un problème de résolu. Oh, je suis contente. Du coup, on va s'occuper de cet appartement-là. Les parties communes, j'y réfléchirai quand je serai plus reposée.
Je pense que c'est préférable. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme porte? Celle-là, c'est celle qui est vitrée, non? On va éviter une porte vitrée. Oula! On va éviter une porte vitrée pour aller dans une salle de bain. Non, vous en pensez quoi? C'est cool? Oh, comme ça. Ouais, ce serait plus ça. Celle-là. Et la couleur, je sais pas. J'aime bien la mettre comme ça, en marron. Ouais, je vais la mettre en marron, j'ai envie. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre du coup du parquet en chevron. On va le mettre enfoncé. Comme ça. Hop là. Là, c'est le coin cuisine. Est-ce que je mets du parquet aussi dans la cuisine? Très bonne question. Je pense qu'on va mettre du carrelage. Ou les, je sais pas. Ça, en même temps, ça fait bien l'unité, hein. Je pense que je vais mettre du parquet partout. Et dans la salle de bain, je vais mettre celui-là. Voilà, après, au niveau des murs, s'il vous plaît. Au niveau des murs, des murs. Ça va faire trop en mode hôpital moucheté. Hein. Après, il y a pas mal de boiseries quand même. Donc, à la limite, de la peinture avec. Quoi qu'après, je peux les faire moi, les boiseries. J'ai mon cerveau, il réfléchit pas, c'est horrible. De tension. Je sais pas. Je pense que je vais. Ah, j'hésite. Parce que si je mets ça va faire trop. Il faudrait un truc cassé comme ça. Mais les couleurs, elles sont pas top, je crois. Fais voir celui-là. C'est chiant qu'on peut pas changer la couleur du carrelage en appuyant sur le plus. Il faudrait qu'il soit vraiment blanc. Donc peut-être celui-là. Après, je me dis qu'il pourrait faire pas mal avec le recul. Celui-là, ça fait trop couleur vive et tout. Là. Non. Peut-être celui-là. Je pense que je vais partir sur celui-là. Ouais. Et là, du coup, je pourrais mettre des boiseries. Non. Tapisserie. Tapisserie, j'ai la musique du jeu qui est partie. C'est super, c'est magnifique, c'est merveilleux, on est content. Vous l'avez entendu crier? Moi, je l'ai entendu. Ah, je pourrais prendre un truc comme ça. Mais il le faudrait en. Non, mais ça va pas exister en blanc. Là, je rêve, mais complet.
La musique du jeu, s'il te plaît, pourrais-tu revenir? Ça serait vraiment sympa de ta part. Il n'est pas décidé, hein. Ah, ben comme ça. Comme ça, et je change la planche en haut et je mets des étagères que je fais pivoter avec tout. Et là, en revanche, dans la cuisine, il faut que je change, que je mette du carrelage. Je vais pas remettre le même que j'ai déjà mis. Je mets un comme ça. Je sais pas. Ou un comme ça. Ouais, je crois que je vais mettre un comme ça. Hop, mais en revanche, j'aimerais vraiment que le son du jeu revienne là. Ah, il a l'air décidé. Non, il n'a pas l'air décidé. Faudrait que je mette une colonne. Oh, comme ça. Ok, et là, je vais en remettre une dans le coin aussi, là. Voilà. Je mettrai peut-être un tympan, je sais pas encore. Et ensuite, étagère, donc c'est dans surface, hop, je prends cette étagère. Donc ça va être comme ça la couleur. Oh, mais ça va pas. En comme ça, il faudrait. Donc je vais faire tout le tour. Tac. Ah, mais là, la musique du jeu, tu pars en cacahuète complet. Ça serait vraiment gentil que tu reviennes. Ah, il m'a écouté le jeu enfin. Tac. Après, je vais me réamuser avec ce très cher mode tool que je gère pas trop encore. Voilà. Donc, ensuite, il faut que je les sélectionne toutes. Je crois que c'est sur Alt qu'il faut appuyer. Ouais. Hop là! Et là, il faut que je fasse rotation. Et il faut que je me mette sur l'autre axe, je pense. Et là, je sais pas. C'est au petit bonheur la chance. C'était pas du tout ça. Du coup, je vais faire moins 45. Ok. On revient à plat. Rotation. Donc, c'est sur cet axe-là. Ok. C'était le bon axe. Donc, il faut que je fasse moins 90, je pense. Je suis pas bon. Donc, encore moins 45. Elle a disparu. Oh là là. Je suis trop nulle en maths, moi. En plus, je sais même pas où elles sont parties, mes étagères. Elles ont disparu. Ah ouais, mais elles ont totalement disparu. C'est même quand je vais dans. Réinitialiser? Ben non, parce qu'elles ont disparu. Oh purée, mais j'en ai marre de moi. Faut toujours recommencer. Pourquoi tant de haine? C'était ça la couleur que j'avais pris? Non.
c'était celle-là, je crois. Ouais, je crois. Bon, ben c'est reparti, hein. Au moins, il y a de la musique. Ce coup-ci. Je m'épuise toute seule. Et le pire, c'est que je sais que ce soir, je vais pas réussir à dormir. Donc, on va dire vivement samedi matin, la grasse matinée. Bon. Et là, je vais réussir à trouver le bon angle. C'est un monster de monster. Là, je l'avais trouvé. Là, je crois que c'est moi qui l'ai mis, ça. Si je me rappelle bien. C'est pas sûr, hein. Oh, punaise. C'est pas sûr parce que, comme je dis toujours à la danse, quand on me demande si je me rappelle de ce qu'on a fait la semaine dernière, je sais pas, j'ai dormi moi depuis. Là, le pire, c'est carrément, faut que j'essaie de me rappeler d'une chorégraphie qu'on a fait il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, en sachant que cette année-là, je devais pas faire le spectacle parce que j'étais censée me marier. Donc, comment vous dire que la chorégraphie, comme j'ai dit hier, hein, moi j'y faisais déjà pas gaffe il y a 2 ans, alors pour m'en rappeler avec tous les dodos que j'ai fait depuis. Donc là, je veux que ça monte. Et si je refais moins 45? Elles vont pas disparaître. Pourquoi elles disparaissent? Ça me fatigue. Je comprends pas. Pourquoi elles disparaissent? J'ai réussi à le faire là. Pourquoi j'y arrive plus? Parce que non, j'ai rien fait du tout. Mais non, non, j'ai rien fait du tout. Je l'ai fait, je sais plus où je l'ai fait. Je l'ai fait où? J'avais réussi à le faire. Ah, c'était dans la péniche. Dans la rénovation de la péniche de l'Universim. C'est dans ça que j'ai réussi à le faire. Je parle pas parce que je suis en train d'essayer de réfléchir de comment il faudrait que je goupille le truc pour que l'étagère elle aille comme je veux. Mais je sais plus comment j'ai fait. Purée, c'était comment déjà? J'essaie de me rappeler. Pourquoi j'ai pas de cerveau? C'est la question existentielle qui me vient à l'esprit. Ok, donc rotation. Jusque-là, on est bon. Et donc, j'ai mon rond, il est comme ça. Il fait 360. Donc moi, je suis comme ça. À 45. Ben non, moins 45, elle devrait se relever droite. Et si je fais 45? Ben voilà. C'est comme ça. Tout simplement. Et donc, maintenant que j'ai réussi à les mettre à plat. Mais elle est à plat ou elle est pas à plat? Et non, je suis pas à plat. Et si je refais 45 alors peut-être? Elle va disparaître. Je le sens que si je refais 45, elle va disparaître. Juste 10.
On va y aller petit à petit. Donc je refais 10. Je suis pas encore bien. Là, je dois être bon. Je sais pas. Non, je suis pas encore. Je suis pas encore. Mais pourquoi ça marchait? Maintenant ça marche plus. Ce dur moment où j'ai envie de pleurer, vous le connaissez. Bon, je vais regarder s'il y a l'astuce TikTok et si elle a été faite. C'est où? Alors, j'ai peur que ça n'ait pas été fait. Non plus. Sur un triangle, non. Non. Donc, et si je fais moins 5? Là, on est bon. Et si je dois faire ça pour tous les logements, pour toutes les pièces, mais je vais péter un plomb. Ça va mettre 10 ans la vie. Parce que je sais pas de combien je l'ai fait. En revanche, il faut que je le lève. Non, 0,5, ça va faire trop. 0,1. Je préfère y aller doucement, mais sûrement. La frise blanche, elle va dépasser en bas. Il faudra que je grandisse un petit peu. Ouais, ben décidément, pour cette frise, j'aurai tout testé. Hein. Désolée, hein, j'y vais doucement. Mais ouais, du coup là j'ai ça. Donc ça veut dire que échelle. Je l'ai jamais fait ça en revanche. C'est trop. Moins M. Moins 1. J'ai été dans l'élévation, l'habitude. C'est dans échelle. Pourquoi elles rétrécissent plus? 0. Mais elles veulent plus. Elles veulent plus devenir petites. C'est trop gros là. Pourquoi, mais pourquoi le jeu m'aime pas aujourd'hui? Elles rétrécissent plus.
ça marche comme ça. Non, j'étais à 1,1, donc là je teste 1,2. Là, je suis bon. Là, normalement, je suis bon. Pourquoi il y a tout qui a disparu? Pourquoi ça fait ça? Non, mais on est d'accord, le jeu, même pas. Faut que je redéplace tout. Non, mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque complet. Moi, je dis, il faut que je me fasse rembourser. Ce que je vais faire. Je suis dégoûtée. Je sais pas pourquoi. Parce que le problème, c'est que là, je suis hors terrain. Donc même si je veux recommencer, il faut déjà que je fasse rentrer toutes les étagères sur mon terrain. Sinon, je pourrais pas les supprimer quand je vais sortir du mode tour, vous comprenez? Mais l'art de perdre encore plus de temps, quoi. Elle est où la dernière que j'ai sélectionnée? Bon, c'est pas grave, sélectionner celle-là. Oh, punaise. Je me suis dit, ouais, je vais faire le petit studio là, aujourd'hui, tranquille, pépère, ça va aller vite. Ben non, le jeu est même pas. Je suis dégoûtée. Bon. Et pourquoi je les ai supprimés? J'aurais juste dû les déplacer. Oh purée, mais... Je suis un boulet. Après, je sais que l'échelle, c'est 1,2. C'est pour l'angle que du coup, je sais pas de combien je l'ai fait. Parce que à 90, je crois qu'elles disparaissent. Bon, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Faites qu'il y ait une étoile au-dessus de ma tête et pas seulement un gros nuage noir de fatigue. J'en ai marre. C'est note pour plus tard. La prochaine fois que je suis éclatée comme je le suis, là maintenant tout de suite, joue pas aux Sims. C'est le mieux à faire en fait. J'aurais mieux fait de continuer de faire mon stop motion sur la rénovation de Bellepinte. Je pense que ça aurait été préférable en fait. Ouais, parce que aujourd'hui, donc à 18h sur YouTube, il y a. Une vidéo en speed build de la rénovation des mondes qui sort. Et mercredi prochain, j'aimerais bien vous sortir une vidéo sur la construction du challenge de Bellepinte. Sauf que je l'ai pas filmé. Parce que le truc, c'est que vu que je stream en même temps, si jamais je démarre mon logiciel qui filme, pour qu'il n'y ait pas à la cam que je puisse faire un speed build, parce que je sais pas, moi, après supprimer. J'ai peur que mon ordinateur il crache. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un stop motion. Donc je dois avoir à peu près 1000 photos déjà pour l'instant.
Et j'ai fait que l'extérieur de la maison. Mais tout va bien, hein? Là, je vais essayer 80. Donc 80, je vais refaire 5. Et là, on est pas mal. Ouais, il faut que je fasse de 85. Je vais l'écrire. Je préfère tout écrire aujourd'hui. Donc, c'est la rotation. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse une élévation. 0,2. On va tenter. Je sais plus combien j'avais fait. Oh purée. Presque. 0,02. Et si je fais 0,01. Donc, j'ai fait 0, 2 et après j'ai fait 2 et 1, 3. Élévation. Donc normalement c'est 0,33. Et ensuite échelle. Et échelle j'avais trouvé 1,2. Hé Maintenant, il faut pas que ça parte en cacahuète. Je le désélectionne. Je sors du mode tool. Et la couleur, elle me plaît pas. Et en plus, ça glisse tout du haut. C'est celle-là qu'il faut que je mette. Comme ça, au moins, c'est le plus proche des fenêtres. Ah, je sais pourquoi ça glitch, parce que je les ai grandis avec avec le mode tool. C'est pour ça que je glitch. Oh, je m'épuise. Et je dois vous épuiser aussi du coup. Ouais, ça ira mieux demain. Demain matin, j'aimerais bien réussir à streamer. C'est en plus là, je voulais streamer dès ce matin, mais le souci, c'est que j'ai une collégienne à la maison qui rentrait à midi, donc il fallait la nourrir quand même, cette enfant. Donc c'est pour ça que j'ai pas streamé, donc je me dis que peut-être demain matin, ça serait cool. Parce que du coup, si je veux streamer jusqu'à 14h et manger l'après-midi, ça pose pas de problème, quoi. Ok. Donc là, on est bon. Et on va refaire pareil, mais ça va aller beaucoup plus vite, du coup, là. Là, en plus, j'ai pas besoin d'agrandir l'échelle. J'ai pas de frise en haut. Hey, c'est pas bien, ça. Ah mais du coup chez mes étagères elles dépassent dehors. Ah ça fait pas beau. Vous savez quoi? J'y réfléchirai un jour où je serai moins fatiguée à l'étagère qui dépasse. Parce que ça veut dire qu'il faut que je la décale un petit peu en fait. Ok. Ensuite. Là, ça devrait aller tout seul vu que j'ai tout noté. Donc déjà, on va tout sélectionner. Voilà. Ensuite, on va faire une rotation de 85. Nickel. Ensuite, on va faire une élévation de 0,23. Et c'est là que j'ai peur. Oh purée, c'est trop bien. Et l'échelle, je la touche pas. Et là, c'est en revanche.
Sac à gade. Ah, ça fait pas beau là. Et je vais mettre une colonne. Tout simplement. C'est un angle. Comme là, je mets une colonne. Non, je sors du mode tool avant. Hop! Et voilà! Nickel chrome! Oh purée, merci mon Dieu, merci! Oh punaise! Donc maintenant qu'on a réglé ce problème, on va pouvoir meubler le premier studio! Youhou! Faites la hola! J'ai pas noté l'échelle. Je vais la noter parce que si jamais ça me le refait sur un autre, c'était 1,2. Voilà. Ah, oh, punaise. Allez, c'est parti. On va meubler. Ce OneDrive, il est en train de me gonfler. Ah là. Donc, en meuble, c'est ceux-là que j'avais pris là. Ouais, exact. Mais l'avantage, c'est que là, je peux les prendre un peu plus clair. Donc, pourquoi pas partir sur ceux de vampire? Non, ça c'est celui que j'ai mis dans le bar. J'aime bien cette couleur. Ça fait sortir la porte en plus. Je crois que je vais partir sur ça. Là, il y a une fenêtre. Donc du coup, je ferai comme ça. Là, je mettrai le frigo. Là, je mettrai la gazinière. Pourquoi il n'est même pas la bonne couleur? Ben. C'est celui-là. Et là, il me l'a laissé. Franchement, on est d'accord, hein, le jeu, il est pas coopératif aujourd'hui. Il n'est pas gentil avec moi. C'est pas gentil du tout. Voilà. Ensuite, quoique non, je vais. J'ai envie de mettre les trucs aménagés. Donc, électroménager, le frigo. On va mettre. Mon frigo, bref, c'est celui qui vient avec vie à la campagne. Je l'aime trop. J'aime trop la gueule qu'il a, ce frigo. Il est trop beau. Faut juste que voilà. Celui-là. Comme ça. Ensuite, là, au niveau gazinière. Peut-être celui-là. Et avec des plaques. Non, les plaques en noir. Les plaques en noir, comme ça. Voilà. Bah tiens, l'évier, je vais mettre là, juste devant la fenêtre. Plomberie. J'étais déjà dedans. Celui-là. C'est dommage, le robinet, il est jaune. Ou sinon, je prends celui-là. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Les couleurs, c'est pas trop ça, hein. Ah ben c'est le même. Ouais, c'est le même, tout est relatif. Oh, la colonne, elle apparaît dans l'évier. Oh, je suis pas une guignarde. Est-ce que les colonnes... Non, les colonnes, elles sont vraiment soumises aux angles. Je peux pas faire... halt avec. Oh, mais ça, c'est tellement joli. Bon, tant pis, hein.
Je sais pas si on peut mettre de la vaisselle sale dans l'évier. Au pire, je mettrai une pile d'assiettes si on peut. Ça camoufle. Ensuite, on va mettre des petits rideaux dans cette cuisine. Alors, en rideau. Autant j'aime bien les stores dans la vie, hein. Autant ceux des Sims, sont durs à placer. Hein. Mettre cela. Voilà. Après, on va mettre des meubles en hauteur. C'est cela hein, que j'ai pris, oui. Donc, comment ils s'appellent ces petits vintage ottomans chic? Je crois qu'on les a, Léo. Ouais. Et c'est cette couleur. Donc, ah ben là, j'en mets pas. Comme ça, c'est réglé. Donc, en fait, ça ferait un petit là. Allez, vas-y, mon petit, voilà. Il est super haut par rapport au frigo, il passerait pas le grand. Non. C'est pas grave, on mettra des trucs sur le frigo. Ouais, c'est là la hauteur. Ok. Et là, j'en mets un d'angle. Voilà, comme ça. Ensuite, une petite hotte, s'il vous plaît. Les hottes, c'est pareil, hein, elles sont pas belles, celles du jeu. La seule que j'aime vraiment bien, c'est celle-là, mais elle va pas dans le style. Donc on va prendre celle-là. Mais les couleurs, c'est toujours pareil. Je vais la prendre comme ça. Hein. Ça donne un style. Ça donne un style, on va dire. Je sais plus c'est dans quoi le truc pour le feu. Électronique? Ouais. Mais en fait, le truc pour le feu, je vais pas le mettre dans chaque appartement. Je vais le mettre dans les parties communes. Et ouais. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit luminaire. Alors, luminaire, je sais lequel je vais prendre. Je vais prendre celui que j'ai mis dans les toilettes du bar. Il est où? C'est là. Hop. Ah, quoique celui-là, il pourrait être sympa aussi. Un plus petit aussi. Hein. Sinon, ça fait gros. Oh, ouais. Je vais prendre celui-là. D'un coup, je viens de me dire, est-ce que mon micro est allumé? Alors, quelle couleur? Un comme ça, j'aime bien. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la décoration. Celle-là de lampe, elle n'est pas du tout centrée, ça me perturbe. Là, c'est mieux. Elle est pitchounette, cette cuisine. Alors, décoration de cuisine, s'il vous plaît. Pour commencer, on va y mettre un petit tapis. Parce que le tapis, c'est la vie. Voilà. Je ne mets pas droit parce que, de toute manière, chez moi, à chaque fois que je mets un tapis, à cet endroit-là, il reste jamais droit. Donc. Ça serait pas logique qu'il reste droit. Hein. Alors. Bon, déjà là, c'est tous les trucs du debug. C'est pas ça que je veux. Je vais faire une petite sauvegarde, tiens, d'un coup, j'y pense.
vu qu'à chaque fois ça plante. Et je me posais la question si je rajoutais des cheminées à l'état aux appartements des étages supérieurs, parce qu'il y a quand même souvent des cheminées dans les appartements haussmanniens. Après, sur les studios, non, parce que ça va prendre trop de place. Mais sur les étages, ça pourrait être sympa. Je sais pas encore, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais après, de toute manière, je vais changer les couleurs. Oh purée, que ça m'énerve ce OneDrive là. Ça aussi, je le prends. Ça, je me dis que ça pourrait être sympa sur le frigo. Après, à voir s'il touche le meuble. Eh! Ça s'arrête un poil de cul. Hein. À peine, ça passait pas. À peine plus grand. Après, maintenant, je sais réduire. Je pourrais réduire. Je sais comment ça marche. Quoi, je sais comment ça marche. Tout est relatif. Ça, j'ai bien envie de le mettre. On va mettre une petite casserole sur le gaz. Oh, bien entendu, le jeu m'embête. Hein. Sinon, c'est pas rigolo. Hein. Ah, mais il veut m'embêter jusqu'au bout en plus. Allez, benga! Il veut me faire de la résistance là. J'espère que je suis dessus, faites que je sois dessus, faites que je sois dessus. Oh ben elle restera comme ça ou je la redécale un peu. Non, elle restera comme ça. Ok. Ah bah je cherchais le bloc de couteau quand même. Ça, j'ai bien envie de le mettre. Je suis en train de sortir tout un tas de trucs alors que j'ai quasiment pas de place. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin que ce soit fonctionnel. Tac. Après, ça se trouve, la boîte à pain, je la fais sauter. Hop, je crois. Alors, il doit être là, le truc de couteau. Faudra que je mette. Essaye de voir pour mettre tout dans l'évier aussi. Ah, il est là. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de caser une tasse ou quoi dans l'évier. Ouais, si je mets ça. Que je le mets là. Tac. Comme ça. Hop. Et ensuite, je le baisse un petit peu. Élévation, moins 0,1. Ah, on le voit un peu dedans. Ah, mais en plus, il flotte encore. Il flotte encore et du coup, on va le voir. Je réfléchis comment je pourrais faire. Ça a l'air plus grand. Ouais, il faudrait que je mette ça plutôt à la place.
tu me prends pour un imbécile. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il m'embête? Le jeu même pas. Je mets une casserole. Pour la peine. Ouais, mais en mettant une casserole. Et là, c'était la version pleine. Ça fait genre il a raté sa sauce tomate. Tac. Eh non, elle se met vide. Je crois que tant pis. Il y aura... C'est fou, hein? Je peux même plus le supprimer. Mais... Oh, salette! Ouais, jusqu'au bout, il m'aura embêté. Bon, tant pis, hein, on verra le truc hein, dedans. Je quitte juste 2 minutes. Je vais voir si l'enfant est parti à la danse. Je reviens tout de suite. Eh ben vous savez quoi? Heureusement que je suis allée voir. Elle n'avait pas fait attention de l'heure. Bon après ça va, la danse est juste à côté, mais évitez d'avoir retard quand même. Alors, là je vais m'amuser, parce qu'en fait celui-là je voudrais qu'il soit à cheval sur les deux. Donc il faut que je bouge les deux. Il est parti où? Ah ouais, faut optimiser la place. Allez là, mets-toi comme je veux, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je suis trop décalée. Et plus au fond. Comme ça. En fait, il faudrait qu'il soit pas droit, mais... Oh, je vais m'embêter. Je le sens, je le sens. Pourquoi je m'embête autant maintenant quand je construis? Ma vie était si simple avant. Oh,
Ouais, ben il restera comme ça. C'est bon. Voilà, je pense que... Alors... La boîte à pain, je suis vraiment pas sûre de la garder, en fait. Si tu te mettais par terre, non? Merci. Ok. Alors ça... Alors, il faudrait que je le mette juste là. Hop. Hop. Et non, ça va pas. Ça aurait été trop beau que ça marche du premier coup. Voilà. Non, c'est de l'autre côté que je la tourne, ma souris. C'est de l'autre. Elle veut pas y aller. Dès qu'il arrive vers l'angle que je veux, il me fait un tournicotis, tournicoton. Je suis le Zébulon, je vais au taquet. Voilà. Du coup, ça, comme ça, au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on a? Comme ça, ok, ça. Comme ça. Mais lui, en revanche, je le verrai plus vers là. Donc, on rebouche tout. Je sais vraiment pas si je vais réussir à le finir dans les temps, ce truc. Hein. Voilà. Ah ouais, la gamelle, je vais la laisser rouge. Et du coup, ouais, la boîte à pain... À moins est-ce que je la cale là? Là, là. Après, elle est balèze. Hein. Lui... J'aime trop m'embêter la vie, moi. Mais c'est un truc de fou, comme je kiffe m'embêter la vie. Ouais, comme ça. Allez, tiens, un verre. J'ai envie. Demandez pas pourquoi. J'ai envie. Ok. Et ensuite, j'ai pensé encore à un truc que je pourrais rajouter. Mais là, je devrais pas m'embêter, normalement. Où c'est que c'est? Ouais, pas m'embêter.
pas forcément pas m'embêter parce qu'il faut que je le trouve déjà. J'ai remis le micro, oui. Où il est? C'est ça que je voulais. Voilà. Rajouter des petits ustensiles. Et là, nous avons la cuisine qui est faite. C'est bien, en 1h10, j'ai fait pas grand chose. Quand je vous dis que je vais mettre 1000 ans la vie. Je vais faire la salle de bain. Je vais faire la salle de bain. J'ai mal au dos, sa mère. Ok. Alors. La plomberie, s'il vous plaît. Donc, j'ai la porte qui est là. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été trop bien la baignoire là dans le renfoncement. C'est pas grave, on va faire autrement. J'ai intérêt de mettre des sacrés rideaux si je mets la baignoire là. Parce que mes petits rideaux là, on voit quand même vachement dedans. Parce que j'aimerais bien une baignoire sur pied un peu si ancienne comme ça. Et ça va être celle-là. Est-ce que j'arrive à passer à travers le mur pour voir bien ma baignoire? Non. Pas du tout. Comme ça. Alors. Je pense... Je vais la mettre comme ça. Comme ça. Là, je vais mettre les toilettes de vampire. Hop. Et ensuite, là, je vais mettre ma vasque. Et la vasque, je me demande si je vais pas prendre celle de vampire aussi. À moins que je prenne celle une de là. Bon, peut-être pas celle-là. Je vais voir. Je crois que je préfère celle-là. Ouais. Après, ça va être les couleurs, c'est toujours pareil. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, tiens. Ça fait quasiment la même couleur que la colonne. Et là, par rapport à la baignoire, ça a sorti aussi. Bon, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Un miroir, s'il vous plaît. C'est super beau, miroir. Mais de toute manière, miroir, il n'y a pas à tortiller. Hein. Ça va être soit celui-là. Mais je crois qu'il fait petit. Ou sinon, celui de vampire. Mais celui de vampire, il vient devant ma vasque, je crois. Ah ben, je le monte un petit peu. Comme ça. Hop. Ben ouais. Mais après, ça fait quand même vachement chauve-souris, hein. Non, en fait, non. En fait, ça va pas. Comme ça. Au niveau de la hauteur, on est comment? Il faut le monter un peu. Comme ça. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Et après, ben, ça va être tout ce qui est déco de salle de bain classique. On va commencer par le papier toilette. Voilà.
Voilà, ensuite, petite brosse à dents. Voilà, en plus ça vole pas, mais ça vole pas, mais il est si petit que ça, le gobelet? Allez, la punaise, ça me gonfle. Ben écoute, hein, il restera comme ça. Ça restera comme ça, Micheline. En revanche, là, va falloir que je rajoute des étagères à ce niveau-là pour pouvoir mettre mes autres trucs que j'aime bien mettre dans les salles de bain, je pense. Alors ça, déjà, direct. On va laisser en couleur comme ça. Au niveau de la baignoire. Voilà. Ouais, je crois qu'il va falloir que je mette une étagère vide. Parce que les étagères à ma place pour celles qui sont déjà remplies. Ouh, je baille moi. Si j'aurais pu rajouter des serviettes quand même. Quand même. Ils sont moches les pots de serviettes. Oh là là. Je vais la mettre là la serviette. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Hop. Je vais reprendre le même et je vais le mettre au-dessus en plus petit. En vrai, je ne dirais pas trop des serviettes, on dirait des trucs en soie. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et là. Ben, viens, regarde. Hop là. Une petite étagère comme ça. Et dessus, je vais y poser cette petite panière qui ne semble pas vouloir y aller. Qu'est-ce que tu m'embêtes le jeu aujourd'hui? T'es vraiment pas coopératif avec moi. Il a aucune pitié. Allez! Et là, il se met à se mettre plus haut. Pourquoi il fait ça? Vous avez vu? Il m'aime pas. Est-ce que ça vole? Ça vole pas. Trop bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, une petite boîte de mouchoirs. Elle est où la petite boîte de mouchoirs? Je sais pas où elle est. Petite boîte de mouchoirs. J'ai besoin de toi. Viens, s'il te plaît, à moi, ma petite boîte de mouchoirs. Ça se trouve, je cherche pas dans le bon endroit. Ça m'étonnerait même pas. Sinon, je mets des serviettes pliées. Ouais, je mets des serviettes pliées. Elles sont au-dessus, je crois.
Elles sont là. Voilà. Elles sont parties où mes serviettes? Bien entendu. Elles sont où? Voilà. Elles sont magiques, les serviettes, elles volent. Voilà. Petite salle de bain, toute simple mais fonctionnelle. Je vais rajouter un petit tapis en revanche devant la baignoire. Qu'est-ce que je vais prendre comme tapis? Quoi, il a disparu? Je suis sûre que c'est à cause de la plateforme, j'avais eu le coup quand j'avais fabriqué le Central Perk. J'arrivais pas à les tordre comme je voulais les tapis à cause de la plateforme. Je sais pas si vous avez déjà eu le coup. Vous avez vu? Il se met pas. Il reste en dessous de la plateforme. J'espère qu'ils volent pas, faites qu'ils volent pas, faites qu'ils volent pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'ils volent pas, faites qu'ils volent pas. On n'est pas dans Aladdin. Eh ben, lui, visiblement, il y est dans Aladdin. Ah, j'aurais dû enregistrer la position que je venais de trouver pour le tab. Contrôle 5. Alors, hop, hop, moins 0,2, et il a disparu, 0,1, il est réapparu, c'est totalement fou, mais il vole encore. Ouais. Moins 0,05. C'est bon, il se joue. Hop. Est-ce qu'on vole? On est bon là, hein? Tac. Ok, ah! J'ai oublié un truc très important quand même. Un rideau dans la salle de bain serait pas mal, non? Pour que les gens dans la rue ne me voient pas prendre ma douche. Un store? Non, pas un store. Là, il faudrait un rideau qui fasse toute la truc là. Peut-être celui que j'arrive pas à trouver. Il est où? Non, pas celui-là.
Ben alors, j'arrive vraiment. Ah, il est là. Celui-là. Comme ça. Et comme ça, de la rue, on voit pas. Et c'est trop bien quand on voit pas. Et la lumière aussi, j'ai oublié. Éclairage. Il faut que je rapetisse, en revanche. Voilà. Hey! Finalement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc là, en revanche, ça va être lit escamotable. Ah, je peux mettre le grand. Après, c'est bien d'avoir celui avec le canapé quand même intégré. Je vais la mettre où la télé? Ah, je sais. Alors, on a soit celui-là, soit celui-là. Je crois que je préfère celui-là. Oh, mais les couleurs, ça va pas avec mon tout le reste. Celui-là, à la limite. Ouais. Alors en fait, réfléchissons, réfléchissons, mais pas trop pour pas avoir mal à la tête. Il fait combien en fait? Est-ce que je pourrais pas le mettre? Bah alors, c'est la première fois que je les utilise. Là, est-ce que la porte, elle reste fonctionnelle? C'est une très bonne question. Parce que du coup, je pourrais mettre un meuble télé là. Surface. Je crois que c'est là. Non, c'est même pas là. Non, c'est pas là. Dans divers. Salon. Dans les tables basses. Ouais, c'est là. Oh, mais ces couleurs. Pff, ça va pas. Hein. Et si je prenais. Il est où? Ça. Oh, j'aime beaucoup en blanc. Oh, comme ça, comme ça. Voilà. On va lui poser une petite télé dessus. On va laisser un petit. Ça fait un peu ridicule. Mais celle-là, ça fait trop gros.
Ah ben voilà, juste milieu. Perfecto. Et du coup, là, je peux lui mettre une petite salle à manger. Une petite bébé salle à manger. Ce serait joli, une petite bébé de salle à manger. Comme ça. Des petites chaises. Voilà. Ensuite, hop, tu m'as saoulé le OneDrive, tu m'as gonflé. Et là, on va passer à la déco. Parce qu'en revanche, ça fait vide. Je vais me faire pipi dessus. Vous êtes content, hein, de cette information? Très importante. Il a disparu. Plutôt comme ça. Lui fait 3, lui fait 2, lui fait 2. Ça, c'est celui que j'ai pris pour la salle de bain. Je veux pas me faire avoir. Parce que je me suis fait avoir. Tu disparais pas, hein? Mais c'est normal, ils volent complet. Il est parti où mon tapis? Il vole encore, je crois. Ouais. Moins 0,05. Encore. Ah, si tu fais moins plus, le jeu va pas savoir, hein. Est-ce qu'on vole encore, je crois, hein. Mais je suis pas sûre. Sauf que t'es censé regarder par là-bas quand même. Et ouais, on vole encore carrément. Je vais tenter moins 0,1.
Il va repartir regarder là-bas. J'arrive pas à voir si on vole ou pas. Ouais. Le son du jeu m'a abandonné de nouveau. Et là, j'ai disparu. Non, c'est plus. Ok. On va laisser comme ça. Je sais pas si je vole encore. On a l'air pas mal. Oh, quel beau parquet! Non, c'est bon, là, je suis posé au sol. Ok. Et si on rajoutait un petit bureau d'ordinateur? C'est où? Surface. Ouais, mais c'est pas un bureau pour enfant qu'il me faut. Mini bureau pour une mini maison. Mais la chaise, elle va me prendre sacrément de la place. J'hésite. D'un côté, je me dis que ça serait cool, mais de l'autre côté, je me dis que ça prendrait de la place. Donc, je sais pas, mais en revanche, je sais qu'il faut que j'aille absolument aux toilettes. Je reviens en 2 minutes, top chrono. Ah, puis je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ou pas. Donc le bureau, est-ce que je mets un bureau ou pas? C'est la question existentielle. Parce que d'un côté, ça serait cool. Mais de l'autre côté, il faudrait rajouter une chaise. Donc non, peut-être pas. On va jouer sur la déco. On va jouer sur la déco en fait. Donc on va commencer par ce grand mur vide. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais y mettre? C'est une très bonne question, me direz-vous. Les phases de la lune ou pas? Ah, c'est mignon ça. Bon, en plus pour une chambre d'enfant quand même. Oh, il y a des lapins. Faut que je case un lapin dans un appart.
Il faut que je me rappelle qu'il faut que je case à la peine dans un appart. Après, j'aime bien ce style de cadre où il y a tout. Oh, je sais. On va mettre celui-là là. Et après, voilà, il est là. On va mettre celui-là qui est venu avec le dernier kit déco maximaliste. Ouais, c'est comme ça, hein. J'avais dit que je le caserais. J'avais dit celui-là, c'est sûr, je le réutiliserai. Ben voilà. Des rideaux. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? J'ai mes yeux qui bug. En plus, ça touche pas, c'est trop bien. Là, j'ai envie de mettre une horloge. J'en mets pas souvent. Et je sais pas pourquoi mon cerveau en ce moment il se rappelle qu'il y a des horloges dans le jeu. En revanche, elles sont où déjà? Ah oui, elles sont là. Ouf! Elle est un peu grosse. Non. Je crois que je préférais celle-là. Voilà. Ensuite. Il me faudrait un petit cadre. De préférence en taille portrait, s'il vous plaît. Il n'y a que ça comme couleur? Ben ouais. Mon ventre, il fait plein des bruits bizarres. Voilà. Là-dessus, est-ce que je peux mettre des trucs? Ah, là-dedans, je peux. Ok. Quoi mettre? Telle est la question, me direz-vous. J'ai la petite niche là aussi. Je vais peut-être glisser un ou deux livres. Ah, mais je sais pas si ça va rentrer dedans. Bon, on va voir, on va tester de toute manière. Qui tente rien à rien. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. J'ai bugué. Je le mets là. Non, quand même. Demandez pas pourquoi j'ai eu envie de mettre ça. Je le sais pas moi-même. Une petite plante. Genre les micro-bébés plantes là. Il y en a eu dans le kit intérieur fleuri, je le sais. Celle-là, c'est un micro-bébé plante. J'ai envie de faire un test. Je sais pas si c'est dedans.
Il faut que je mette plus au fond, mais en revanche, je suis sur le bon truc. Comme ça, peut-être. Hey! Ça fait classe. Ah, oh, j'aime bien. Je voulais voir pour ajouter des livres, là. Je sais pas si ça va être faisable, mais j'aimerais bien. Les livres, s'il vous plaît. Comme ça, là. Ils sont pas là-dedans. Ils doivent être là, hein. J'ai pas dû, j'ai dû les rater, mais ils doivent être là. Alors, là peut-être. Parce qu'il y a cela, mais moi je voudrais qu'il soit droit. C'est cela que je voulais. Mais ils vont m'embêter pour que j'arrive à les caser où je veux. Complètement m'embêter. Alors. Je vais essayer de gruger. Que je les monte, mais ils sont à la bonne place, bien entendu, hein. Encore et décaler un peu par là. Pourquoi tout à l'heure vous étiez mieux? Ils volent. Ils volent, mais ils sont à la bonne place. Donc maintenant, je les fais bouger comme ça. Moins 0,1. Et voilà. Elle est pas belle la vie. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ça fait plaisir. Wizbot. Il faudrait que je sais pas. Je crois que là-haut je peux pas mettre de trucs. Si je peux. Hop. Ça, parce que j'aime bien. Ensuite. Hop. Mais je crois que en fait il faudrait que je le mette un peu plus petit.
électrocollé au mur. Hop, et là en fait j'inverserai bien les deux. Je reviens te prendre après, t'inquiète cacahuète. Hein. Je m'occupe de ton pote. Allez, tourne-toi. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a rien qui vole. Ouais, il y a lui qui vole. Hop là. Moins 0,1. Ça va faire trop, je crois. Carrément. Donc, 0,05. Voilà. On est bon. Ah là, qu'il est bon, Jean-Pierre. Ah là, qu'il est bon. Là, je voudrais des habits contre le mur. Je crois que c'est là-dedans. Hein. Ça. Voilà. On va regarder là plutôt. Voilà. Si je fermais tout, là, ça serait bien quand même. Hein. Bon, bah on aura fait un logement quand même aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup de temps sur ça. Je vais sauvegarder un coup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. 6h moins 20. Ouais. Et là, va falloir que je réfléchisse. Hein, parce que c'est grand, hein. Il est vraiment balèze, hein. Tu rentres là, tu t'en. Genre, faut que tu traverses un bar entier en imageant pour aller à la cage d'escalier et à l'ascenseur. Du coup, oh, je baille. Peut-être voir pour faire un truc là en carré, mais quoi? C'est une très bonne question, me direz-vous. En tout cas, je pense que dans les parties communes, je vais mettre ça. Hop. Thank you.
bizarre là. Les deux angles là, ça fait bizarre. Sauf que c'est pas là du tout qu'il faut que je mette. C'est là. Mais tout va bien. Hein, je l'ai raté. C'est là. Hop. Là, ça serait un angle en fait. Et là, dans la logique, ce serait un angle aussi qu'il faudrait mettre. Mais lequel? J'arrive pas à trouver. Bon, de toute manière, je vais faire de manière simple comme ça. Mais... il y a un truc à faire. Enfin, ce que je viens de faire, déjà, ça c'est sûr. Hop. Là. Comme ça. Et là, la croix simple. Là, on dirait qu'il manque quelque chose en fait pour faire la petite jointure. Mais je vous avoue que... ah, là, il faudrait un angle. Il est où l'angle? Non, pas dans ce sens. Dans ce sens. Non plus. Dans ce sens. Voilà. Ouais, il manque la tout petit angle là. Genre, si je fais CTRL F. Juste pour voir. Et ouais, là, et donc, là, comme ça. Hey, je l'ai eu mon petit angle. Comme ça. Ah ouais. Je retourne en bas. Quelle heure il est? Moins le quart. Voilà. Voilà, comme ça, ça fait fini. Eh oui. Parce que du coup, ça donne l'impression que ça fait comme ça. Nickel. Et donc après je vais au dernier étage. Je me remets en gros. Tac. Oh punaise. Là, faut que je me remette en comme ça. Voilà. Là, c'est mes angles. Je me remets en grand, donc pour basculer de un demi-carreau à un carreau entier, c'est CTRL F tout simplement. Et en revanche, là, est-ce que je ferai le tour?
Ça ferait pas mal quand même. Non, c'est là. Comme ça. Oh, je vais galérer. J'ai eu une idée pourrie. Non, pas si pourrie que ça. Je vais y arriver. Crois en toi. Je l'avais. Je l'avais aussi. Voilà. Et la saccagade. La saccagade. Le problème, c'est que je pense que je vais pas réussir à l'avoir. Parce que soit je l'ai de ce côté, soit je l'ai de ce côté. À moins que peut-être si je me mets sur celui-là. Non, non. Je vais pas réussir à l'avoir sur celui-là. Dommage. Du coup, je privilégie lequel? Je serais tentée de dire celui-là. Parce que là, je vais avoir une rampe, donc du coup, ça se verra potentiellement un petit peu moins. Mais ouais, voilà. Et je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai quand même fait un logement, je suis contente. Je vais pas vous le cacher. Donc potentiellement, demain, on finit le rez-de-chaussée. Et il nous restera quand même encore 2 étages à faire. Hein. Mine de rien. Petite sauvegarde. Je vais aller faire une petite photo pour ma miniature. Voilà. Je vais re-sauvegarder. Et écoutez, je vais mettre un peu plus de lumière pour vous dire au revoir. Et du coup, ben, je vous remercie de m'avoir regardé. Ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, c'est sur... Oula. Ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. Je suis toujours en train d'essayer d'élaborer un planning un peu plus régulier. Mais même si jamais j'ai pas des... Pour le moment, j'ai pas encore des jours fixes avec des horaires fixes. Mais j'essaye quand même de streamer un maximum de fois dans la semaine. Hein. Je suis en moyenne, je pense, à environ 4 streams par semaine. Donc, c'est quand même régulier. Il faut juste que j'arrive à me caler des jours et des horaires beaucoup plus fixes. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée ou une bonne nuit, un bon appétit. Tout dépend à quel moment vous me regardez. Ceux qui me regardent en direct, eh ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une bonne soirée. Et je vous dis... À bientôt! Ciao, ciao les petits lapinous!